Hey, salut à tous les amis, c'est 57FR pour ce second épisode sur 7 Days. Cette fois-ci, on y est, on continue. Là, on pousse les pop-portes. Alors, j'ai déjà essayé de tourner cet épisode, bien sûr, j'ai bien galéré. À cause d'un truc que si on pousse cette porte, une petite action tragique. Vous allez vite le voir. Modification et on run. Bonjour. Et je fight tout. Voilà, je m'en vais. On s'en va. Voilà. Je crois qu'on est safe. Oui, j'ai un peu ruiné parce que. C'était un peu la galère, j'y allais en mode run. Des beaux tableaux ici. Du coup, on a une porte ici, on a une porte là, on va aller par là. Il y a beaucoup de livres ici, oui. Ça, on le sait. Il y a beaucoup de livres ici aussi. Ici. On va pas encore aller par là. D'accord, ça ramène ici en fait. Ce qui est absolument inutile. Attends, si ça ramène là. Oui, c'est ça, oui, ça ramène ici. On arrive bien ici. On revient par là. On va par là. Quoi? La chaise. Non, pas la chaise. Oui, une chambre. Un lit? Quoi? Le lit? Ici, regarde-moi. Non, je ne te regarderai pas. Obligé. Quoi? C'est quoi ça? On est où là? C'est quoi ça? C'est quoi ici? On est où là? Tu l'as trouvé. J'ai trouvé quoi vous? Voici la chambre. Oui, c'est pas ma chambre. La chambre. Ah non. Non, pas la chambre de Sam. Non. Attention, il n'y a pas de limite. Quoi? Ouvre les yeux. Ce n'est pas encore l'heure. Yeah. Ce n'est jamais l'heure avec toi. J'ai besoin de ton liste pour... Oh, valide les conduits. Ou bien, c'est bien les conduits, et bien sûr on n'est pas fatigué. Faut aller dans les conduits, parce que les conduits c'est safe. C'est très safe les conduits. Je peux pas continuer comme ça, tu as encore... Tu n'as pas encore compris pourquoi tu es ici. Non, je n'ai pas encore compris parce que j'ai pas envie de le comprendre. Y'a pas de tournevis ici? Tu me donnes... Quoi? Quoi? Y'a des trucs dégueulasses, y'a des yeux dans le tableau! Quoi? C'est par ici, ok. On va aller par là, directement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe toujours des trucs ici. C'est pas cool. Ça se calme, ça se calme pas, Il faut savoir ici qu'est-ce qu'on veut ici. Attends, c'est un S qui est par terre, hein, c'est ça? Oui, on dirait un S, c'est ça. D'accord, on a le tournevis. Ok, on va aller conduire maintenant. Quoi? Attends, quoi? Quoi? Attends, quoi? Oui, c'est bon.
Ok, on est conduit. Allez, lève-toi. Oula, il y a quelqu'un qui a tout cassé ici. Y a des tableaux par terre. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Je suis coincé là. Qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas. Non, il n'y a rien par là. Ok. Oui. Pas sommeil. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette salle en fait? Y a rien à faire là. Y a pas des tableaux. Y a des tableaux par terre. Y a deux tableaux par terre là. On va faire un truc avec vous. Avec. Mon tournevis ne fait aucun effet. C'est pas fait. Ah d'accord. Ah ok. Ok. Ah ok, il fallait juste marcher sur ces trucs, les activer ou je sais pas quoi. Ok. Oh, yes. On continue. Mais il est pas derrière nous parce que. La clé maintenant, on a une clé. Ça va sans doute ouvrir un truc que j'ai loupé, sans doute, je sais pas. Ça a pas l'air d'être là, donc c'est une autre porte alors. Bah lui les yeux bizarres là il me font plus. Ben, j'y retourne plus, c'est bon. Oui bon, j'avais pas trop dit de fermer mais bon. Sommeil, je viens de me lever. Non, tu t'es pas levé. C'est faux, tu viens pas de te lever, tu t'es levé il y a déjà un petit moment. Ah c'est là sans doute. Je suis débile, désolé. Ah
Quoi? C'est chauffeur. Ce n'est pas encore Encore une fois, ce n'est pas l'heure. Ok, on n'a plus de lit maintenant. Ok. C'est quand même une idée, c'est ça là. Ah, une clé. Oh, c'est un petit bonhomme, regardez, trop bien. Quoi? C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Ah mais... C'est pas rassurant. Ah d'accord, faut pas ouvrir les portes. Ils sont gentils, ils n'existent pas. J'ai la clé, il ne veut pas. Il a le conduit des rations. C'est toi là? Toi, tu m'observes des yeux là. Non. J'ai plus les tournevis. Ils m'ont suivi. Ils sont de retour. Bonjour. Je veux dormir là, je veux dormir. Je veux dormir. C'est quoi ce jeu? C'est psychologiquement instable. Y a plus rien de normal. Quoi? Je rentre dans le conduit, je m'en vais ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'ai rien d'autre, je m'en vais. C'est tranquille dans le conduit, tout simplement. Le conduit, c'est safe. Safe. Oh. Ça, c'est pas bien, ça. C'est passé un truc bizarre ici. Ouais, moi aussi, je me demande aussi à quoi il sert. Oh.
Je pratique ce rituel qui bénit tous ces enfants de bois. Il faut rentrer dans le conduit, c'est ça? Il se passe des choses de plus en plus moins catholiques. Ce n'est absolument plus rassurant. On peut pas dormir. J'ai pas sommeil, je viens de me lever. Tu viens de te lever depuis quelques minutes déjà, mon petit. Un cœur? Oh non, c'est du sacrifice, sérieux? C'est carrément du sacrifice. Voilà, je vous l'avais dit, c'est pas catholique, ce n'est, je ne peux pas cautionner un truc pareil. Oui, il se passe quoi maintenant? Ok, j'ai la clé sanglante. C'est parti. C'est parti. Il y a encore un long couloir, génial. Droite, gauche, droite. Sauf que... Bon, allez, droite. Tant pis. J'allais dire que la loi d'un jeu, c'est toujours aller à droite. Mais, justement, comme beaucoup utilisent cette règle, ceux qui font les jeux d'horreur ont tendance à mettre les trucs les pires du côté droit. Donc, du coup, il faudrait mieux aller du côté gauche. Ouais, le retour de la chambre. Et ce n'est pas encore l'heure. Eh oui, on s'y attendait pas à ça. Oui? Ah, mais c'est bon. Non, ça ne me rappelle rien. À part que c'est celui qui. Voilà, c'est Sam, c'est celui qui va voir. Enfin voilà, vous avez compris. Non, mais là on pète vraiment les plombs là en fait, on est vraiment en mode je pète un plomb, on comprend plus rien. Et pour ce second épisode, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup de choses absolument pas catholiques du tout. Et donc, du coup, je vous dis à très bientôt pour un troisième épisode sur 7 Day. Ciao ciao. Putain, ah, c'est devenu trop sombre ici, on voit plus rien maintenant. Oh! C'est quoi, un pixel là? On avait encore un doit se voir dedans. Choisir ou vivre.